Accélérateur de talents créatifs, Louvre Lens Vallée fête ses 10 ans sur le territoire de l'agglomération de Lens-les-Bains. Un pôle dédié aux innovations culturelles pour mettre en avant le patrimoine, les métiers d'art ou encore le tourisme. Ici, vous avez à la fois un espace de coworking ouvert tous les jours, sauf le week-end, et gratuitement accessible à l'ensemble des citoyens et des coworkers qui souhaitent l'utiliser. Ensuite, nous avons un programme d'accompagnement d'accélérateurs et incubation pour les porteurs de projets spécifiquement sur les industries créatives et culturelles. Et nous avons aussi un espace pépinière d'entreprise qui accueille les porteurs de projets qui ont suivi notre programme d'accompagnement. Depuis sa création en 2013, ce sont plus de 100 entreprises créées sur le territoire. Cette année, ce sont 16 projets qui sont accompagnés par le Louvre Lens Vallée, comme Laurie, qui crée des bijoux connectés pour faire perdurer les souvenirs. Louvre Lens Vallée m'apporte beaucoup en fait, dans une perspective créative, puisque voilà, on est sur un bijou qui vient vraiment chercher à allier tradition, artisanat et technologie, parce que les deux ne sont pas forcément l'un contre l'autre. Voilà, on a beaucoup travaillé sur l'éco-conception et alors sur toutes les phases en fait, de développement du bijou, aussi bien du bijou lui-même, de son packaging, des ressources. Donc c'est un accompagnement qui a beaucoup de valeur sur cet aspect créatif et innovant. Dans la promotion tourisme, Jérémy, lui, vous fait découvrir le territoire à travers une application mobile dont vous êtes le héros. Comme une brochure touristique, donc c'est ce format-là. Et d'un côté, on aura tout simplement la carte de la ville. Et comme ça, donc ici, c'est sur l'île. Et derrière, on aura le storytelling, un peu fouillis, c'est un peu bureau d'aventurier. Il y en a dans tous les coins. Donc on lit. Et là, il y aura un QR code avec la web app qui est disponible. Et en fait, c'est un guide, c'est votre guide touristique. Ouais. Moi, Louvre Lens Vallée, surtout, c'est la mise en réseau dans le tourisme, parce que je ne suis pas issu de ce milieu-là du tout. Donc là, on est mis en lumière par rapport aux partenaires, on fait pas mal de rencontres comme aujourd'hui. Labellisé French Tech, Louvre Lens Vallée valorise les talents qui entreprennent. Pour l'agglomération, c'est un véritable atout. Pour un territoire, c'est important d'avoir des lieux totems comme le Louvre Lens Vallée. C'est des lieux effectivement qui permettent du coup d'accompagner les initiatives sur une terre comme la nôtre. C'est absolument nécessaire. C'est des jeunes du territoire qui se forment, qui amènent une plus-value et qui viennent répondre en fait aux besoins de nourrir notre projet de territoire, qui est un projet de transition. Et donc il y a au sein de l'écosystème du Louvre Lens Vallée un certain nombre d'outils qui permettent justement aux gens de pouvoir prendre des initiatives, s'émanciper et apporter du coup leur pierre à l'édifice du projet de territoire qu'on essaie de mener. Donc c'est absolument essentiel pour le développement personnel des personnes et le développement de notre territoire. Continuons à faire du Louvre Lens Vallée un capitaliseur d'innovation et un terreau fertile pour les talents de demain. Merci.